Bonjour les beaux bijoux. Allez-vous bien? Êtes-vous en forme, je l'espère en tout cas. Et bienvenue pour les énergies du jour du mercredi 31 mai 2017. Donc je travaille encore avec les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. La review arrive bientôt, donc no panic. Alors pour aujourd'hui au niveau des énergies, j'avoue qu'on a bien commencé la semaine avec des énergies d'amour, d'amour à soi-même, d'amour aux autres, etc. Et ici, dans les énergies pour le mercredi, j'ai tiré cette carte-ci pour aujourd'hui. Voilà, la carte de la patience. Alors, l'univers nous demande d'être encore un peu patient. Ça se peut qu'on ait des projets qu'on veut mener à bien, mais c'est pas encore le bon moment pour les faire éclore, on va dire ça comme ça. Tout n'est pas figé, hein, donc pas d'inquiétude, hein, l'univers ou Dieu, ou appelez-le comme vous le désirez évidemment, nous aide à accomplir nos projets. C'est juste que, je prends l'exemple de la carte, on voit que cette jeune femme aimerait bien aller voir son amoureux dans la demeure en face, mais les glaciers l'en empêchent pour le moment, parce qu'ils sont en train de fondre. Donc voilà, il faut juste qu'elle patiente encore un peu. C'est un peu comme quand c'est l'hiver et qu'on doit patienter, par exemple sur la route, ou patienter voilà, qu'il fasse un peu meilleur pour pouvoir planter nos graines. Alors ce ne sera pas aussi long, hein, mais en tout cas, si vous aviez prévu de faire quelque chose là dans l'immédiat, ce serait peut-être bien de patienter un peu tout simplement. Je vais vous donner des exemples, hein, pour que ce soit un peu plus clair peut-être. Par exemple, vous tricotez un pull et il vous reste une manche à faire et vous n'avez plus de laine. Et comme par hasard, quand vous vous rendez à la boutique est fermée pendant 2 semaines parce qu'ils ont pris des vacances. Mais voilà, on vous demande tout simplement d'avoir de la patience. Ça veut dire de toute façon que votre pull, vu qu'ici on arrive en été, c'est pas grave, vous le mettrez pas tout de suite, donc voilà, vous pouvez faire autre chose en attendant, mais ça veut dire que vous allez devoir un peu patienter. Par exemple, vous avez passé des tests pour rentrer à la police, il y a un temps d'attente avant d'avoir les résultats, ben voilà, donc il faut de la patience. Donc ce sont des petits, ça c'est pas spécialement des grands projets, voilà, vous aviez l'intention, ça se peut aussi, hein, que ce soit des grands projets, tout simplement vous aviez l'intention d'ouvrir votre magasin demain, c'est le jour d'ouverture. Voilà, peut-être de patienter encore un petit peu et voyez si tout est bien, si tout est bien en ordre, si tout est bien réglé, les papiers, etc. Si l'univers nous envoie ce genre de message, il faut toujours faire un petit peu attention. C'est rien de grave, c'est juste que, voilà, en tout cas, si vous voyez les choses qui n'avancent pas, ben c'est parce qu'en fait, c'est pas le bon moment, tout simplement, et qu'il faut encore attendre un petit peu. Pour voir se réaliser nos rêves, pour voir se réaliser un de nos projets, pour voir voilà, nos petits projets. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un pull, ça peut être autre chose. Hein, voilà, tout simplement un peu de patience pour avoir vos résultats, pour ça va aller, ça va aller. Et l'univers met tout en place pour que ce projet, ces choses que vous avez envie de faire se déroulent parfaitement. Donc voilà, prenez patience, ça va aller. C'est pas négatif, hein, ça reste une carte positive. Ça dépend juste comment en fait vous accueillez la carte. Je veux dire comment vous accueillez plutôt les émotions, comment vous accueillez voilà vos ressentis par rapport à la patience. Parce que c'est vrai que ceux qui sont très impatients auront peut-être du mal et pour eux ce sera négatif cette carte. Tandis que d'autres, bah, ils se diront c'est pas grave, ils prendront plus à la légère. Et donc, la patience, pour finir, bah voilà, ça va pas leur sembler un effort à faire. Mais voilà, ça dépend un peu de notre tempérament. Et je peux comprendre les impatients et je peux comprendre. Et c'est très bien pour ceux qui arrivent à être plus légers et avoir la patience qu'il faut. Voilà, donc voilà pour les énergies du jour. Et on se retrouve évidemment bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous lumière. Soyez patients, tout vient à point. Qui sait attendre, n'est-ce pas? Des bisous lumière.